Jonathan la tomate, j'ai tout vu à la télé, c'est trop cool votre émission. C'est moi, c'est ça, c'est moi, Jonathan la tomate. Bonjour monsieur, j'en sais rien. Est-ce que vous avez vu quelque chose? J'en sais rien. Ah bah, bah je le sais. J'en sais rien. Je le savais. Salut, j'en peux plus. Y'a j'en sais rien, y'a j'en peux plus. Moi je veux bien rejoindre la famille, je m'appellerai j'en ai marre. Voilà. Et mon collègue derrière elle s'appellera j'en ai rien à foutre. Comme ça la famille sera au complet. C'est ça, c'est ça. Bon bah c'est super. Bon bah du coup nous on n'a pas trouvé de métier nous là. Attends, ça craint quoi, ça fait un quart d'heure qu'on joue là, on sait toujours pas quoi faire de notre vie. Eh dis-moi là, dis-moi t'as des bonnes idées toi. Caméraman? Vas-y, t'es caméraman et moi je vais faire cuisiner là, il reste une place je crois. Ok. On va racheter le Taco Bell. Suivez-moi, madame la caméraman. Là, déjà on va se mettre à l'abri. Bah, hé, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, il a été acheté le restaurant ou quoi? Bonjour. Attends, y a j'en peux plus qu'à faire. Manger, juste un petit truc parce que j'ai. Ce serait juste histoire de compléter quoi. Bah ouais, mais je voudrais bien passer derrière les comptoirs de ma cuisine, mais apparemment c'est déjà possédé donc. Donc bah je vais vous servir par terre. Je suis désolé mais. D'accord. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il veut le petit monsieur? Une pizza, celle à 40 et quelques là. Pizza, celle à 40 et quelques. La pizza, elle a 70. D'accord, vous me la faites à combien là? Bah 70. D'accord, moi je vous en prie. Ok, t'as voté pour le maire toi? Pas encore. Ah, moi je vote pas moi. Ah non. Mais... Ok, merci bien. J'ai mis une télé pour qu'on voie. T'es où là? Ah ouais, t'as mis. Ah ouais, tu l'as pas mis. Pizza, s'il vous plaît. Comment? Je vais pas avoir la pizza s'il vous plaît. Elle est juste là. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Jolotte la tomate, c'est quoi ça? C'est le titre de notre émission. Ouais, t'aurais pu l'appeler sinon cauchemar en cuisine, tu vois. Ok, d'accord. Bon bah, c'est le reportage Jolotte la tomate. Mais par contre, on n'a pas un client. Ouais. Là, va falloir rameuter du client, là. Je suis sûr qu'on a un concurrent quelque part. Bah, on a un concurrent quelque part, Amazir. Tiens, viens avec moi, on va aller chercher la concurrence. D'accord. On va aller chercher le client plutôt. Eh bien, suivez-moi, nous allons au cœur de la ville pour un reportage à l'extrême. Je suis avec mon reporter de terrain. Bonjour. On fait la promo de notre restaurant, le Taco Bell en haut. Ouais. C'est moi, c'est ça, c'est moi. Jolotte la tomate. Vous êtes une star, madame. Ouais, je sais. Je sais. Oh, le caméraman, vous êtes trop fort, j'adore vos émissions. Continue. Ah, oh là là. Une petite séance d'autographe, peut-être? Une petite séance d'autographe? Ah oui, je veux bien. Mais si vous avez une petite faim, vous pouvez venir au Taco Bell, c'est nickel quoi. C'est très bon au Taco Bell. Taco Bell, c'est là-haut, c'est en haut de la rue. Tout en haut de la rue. Mais non, mais c'est moi le cuisinier du Taco Bell. Attends, parce qu'il est parti au Taco Bell là. C'est moi le cuisinier du Taco Bell. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Oui. Mais dis donc, il y a du monde qui m'apprécie là. Hein. Eh, Jolotte la tomate, elle fait fureur ton émission. Hein. Et c'est par là le Taco Bell, suivez-moi. Eh, mais tu sais que le Taco Bell, c'est même pas notre restaurant en fait, il est possédé par un autre cuisinier. Qui s'appelle cuisinier. Tu vois, je peux pas ouvrir la porte, il a fermé à clé. Attendez, je vais faire comme ça. Non, ah non, là par contre c'est le comptoir du cuisinier ici. Ah non, non, non. Vous avez pas les prix? Non, là c'est le comptoir du cuisinier. Hein. Alors qu'est-ce que vous voulez? Ouais, une pizza s'il vous plaît. Ça fera 70$. Ok, bonne chance. Ah bah merci, vous aussi. Allez, suivez-moi, caméraman. Mais on ferait plus de vues si tu te retournais. Comme ça? Non, de l'autre côté. Comme ça? Ouais. Ça va mieux comme ça? Ouais. Est-ce que comme ça je suis pas sous mon meilleur profil là? Est-ce que je passe pas mieux à l'écran comme ça? Non. Sinon je peux faire une petite pause comme ça? Non? Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur Jacouille. Bonjour, comment vous savez que je m'appelle comme ça monsieur? Parce que vous avez une cagoule et tous ceux qui ont des cagoules en général ils ont une tête à s'appeler monsieur Jacouille. Ok monsieur, et je peux savoir votre nom? Moi c'est Jolette. Les ristorantes Jolette. Je tiens les tacos belles. Bah enchanté Jolette. Mais non, ça vous dit, Jolette. Si, grazie mille, si. Et je suis avec mon caméraman là et nous y étions en train de faire une émission pour faire la quiche au poireau. Okay. Si vous avez un petit creux, y a pas de souci, vous venez au Taco Bell.
copelle. Ok, ben j'ai une petite faim là, si vous voulez. Ah, ben y a pas de souci, je vous fais une pizza en moins de 2 minutes, moi. Je suis le roi de la pizza, le roi des pizzaiolo. Je veux bien que vous me faites une démonstration en moins de 2 minutes une pizza. Ça, je serais, cher téléspectateur, très choqué de sa part, de Jolette. Alors écoutez-moi bien, très cher téléspectateur, c'est toujours Jolette pour l'émission Tomate la Jolette. Non, Jolette la Tomate. Donc nous allons faire une pizza en moins de 2 minutes, je vais vous montrer. J'accouille. Alors tout d'abord, regardez. Nous pétrissons la pâte. Nous mettons 2-3 bouts de mozzarella, surtout bien mettre la mozzarella. 2-3 bouts de tomate coupées en rondelles, 20 minutes au four, et la pizza est pasta. Et ben voilà, ça c'est bien. En même pas une minute, il a fait une pizza. En même pas une minute? Ça, je suis extrêmement choqué. Ça fera 70 euros, mon monsieur. Je vous demande pardon. Eh oui, et vous y avez mangé quand même ma pizza, hein? Mais je pensais que c'était gratuit, monsieur. Ah, allez, vas-y, basta, comme on dirait en Italie, basta. Allez. Je m'appelle Jacouille, venez, je suis très gentil. Oui. Regardez-moi ma tête. Allez, likez ma page Facebook. Eh bien, les amis, suivez-moi pour les nouvelles aventures de Yolette la Tomate. On va aller un petit peu vers notre restaurant. J'ai un peu faim. T'as faim? Ouais. Et je vais te faire une petite pizza concoctée avec petit oignon, petite ciboulette. Oh, attends, il y a un taxi. C'est qui lui? Bonjour monsieur. Ouais, j'ai faim. Ouais, bonjour, bah suivez-moi. Le caméraman, vous filmez quoi? Une petite émission culinaire. Sur Yolette la Tomate. Oh, j'ai éteint la télé. La télé, ah c'est bon. Elle est un peu Elle est un peu quoi? Elle est un peu tordue la télé. Elle est bien la télé. Attends, d'abord mon caméraman parce qu'il bosse quand même, faut que je le nourrisse. Bah attends, en fait je dois retirer parce que Ah ouais, ouais. Fait... Allez. Voilà, vas-y, mange. Ça t'a remonté combien? 40. T'en veux une? Allez, une petite. Merci. Allez. Quelque chose de pas très nourrissant. De pas très nourrissant? Ouais. Bah, j'ai des pâtes. Des pâtes à la carbonara. Spécial Yolette. Ah ouais, je veux bien, ouais. Bon, bah, ceux-là, ils sont à 30. Ils sont pas chers, hein. Bah, pas de problème. Faites-moi les pâtes à la carbo. Ça sera pour place. Ils sont juste à vos pieds. Vous marchez dessus. Vous marchez sur mon plat de pâtes à la carbonara. Alors, il peut faire venir un violoniste si vous voulez faire une soirée romantique avec madame. Non, c'est bon, ça va. Comme vous voulez. Donc, ça fera 30 euros. Je vous donne 5 euros pour le service, monsieur. Ah, c'est très gentil. Et il est où sinon le billet là? Tu l'as vu le billet toi? Je les donner, hein. Ok, d'accord. Ouais, si, c'est bon. Ok, d'accord, merci. Ouais, arnaqueur. Allez, viens, on va le filmer, on va le faire chier, là. Hein? Alors, tout se passe bien, monsieur? Ouais, c'est ça. Oh là! Il y a quelqu'un qui a... Non, ça se passe pas bien, non. Ouh, je crois qu'il y a un voleur qui essaye de voler votre taxi. Oh, tu fais quoi, toi? Pars. Il y a de l'action. Oula! Oh, madame! Bonjour. Bonjour, quelqu'un a faim dans le coin? Bonjour, mon appel, c'est là. Non? Yesu avec mon caméraman pour l'émission Yolette la Tomate. Vous connaissez l'émission Yolette la Tomate? Non, ça ne pas. Yolette la Tomate. Non? Ok, d'accord. Très bien. Attends, parce que moi j'ai faim aussi. Hein. Bah ouais. Je suis un cuisinier, mais faut que je mange. Hein. Attends, parce que ça se trouve, il y a du... Bouya. Bonjour, je vous ai vu à la télé, alors je me suis dit de venir vous escorter, hein. Oui, bien sûr, mais vous avez raison, on fait un reportage culinaire. Le reportage s'appelle Jolette la Tomate. Voilà, je suis avec mon caméraman. Comment? Oui, j'ai tout vu à la télé. Oui, c'est ça. Et je vous apprends à faire une pizza en moins de 2 minutes, en fait. C'est le principe de l'émission. C'est de la street cuisine. C'est de la cuisine de rue, en fait. Et comment on veut? Alors venez s'il vous plaît, tout le monde, votre attention s'il vous plaît. Venez, c'est pour l'émission de cuisine Jolette la Tomate. Avec mon caméraman, je vais tous vous apprendre, il y a une distribution de pizza gratuite. Je vais vous apprendre comment faire une pizza en moins de 2 minutes. Monsieur le médecin, distribution de pizza gratuite pour vous aussi. Venez, c'est par ici, c'est gratuit. Alors je vais tous vous apprendre comment faire une pizza en moins de 2 minutes. Donc pour commencer, vous prenez la pâte. La pâte et vous la pétrissez bien. Vous coupez les oignons en petits dés. Vous mettez bien la tomate autour de la pâte. J'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que tout le monde m'entend ici? Oui. Oui.
D'accord. Ensuite, vous faites préchauffer votre four thermostat 7, pas plus. Sinon, la pâte, elle devient dure. Ensuite, vous prenez votre pizza. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et... Et c'est la distribution gratuite pour tout le monde. Est-ce que tout le monde en a eu? Oui. Oui, oui. Ok, d'accord. Et ben... Oui. Eh bien, c'était pour l'émission Jonathan la tomate, hein, voilà. Merci, c'était très bon. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que c'était bon. Oh là, oh là. Non, non. Ah non, alors là, j'y crois pas. Là, je n'y crois pas du tout. Jonathan la tomate n'a jamais eu d'indigestion avec un de ses clients. Jamais. Jamais, jamais. Filmez-moi. Filmez ça, mon caméraman. Regardez-le, là. Comment ça? Bah, c'est une petite toux. Je crois que ma pizza est empoisonnée. Il nous faut un médecin. Mais vous êtes médecin. Il nous faut un médecin. Vite, faites oui, quelque chose. Tout va bien. Bon. Ce n'est pas ma pizza quand même, monsieur Mohamed. Je crois que c'est ma pizza. Deux secondes, j'ai le toilette. Oula, allez-y, allez aux toilettes, monsieur Mohamed. S'il y en a. S'il y en a, ouais. C'est qui lui? Oh, lui, la fin. Moi, vous êtes en train de régler une affaire. Bonjour, monsieur Sidrex. Ouais. Monsieur Sidrex, il faut s'occuper. Il n'y a pas de toilette. Courez à mon Taco Bell, monsieur Mohamed. J'ai des toilettes. Ils sont inutilisés. Est-ce que quelqu'un pourrait en délivrer un appareil auditif, s'il vous plaît? Un appareil auditif. Désolé, je n'ai pas d'appareil auditif. Je n'ai que des pâtes à la carbonara ou des pizzas. Je vous offre des soins gratuits pour voir si vous allez bien. Ah, monsieur. Jolette la tomate aime toujours gâter ses clients. Vous allez très bien. Tiens, le taxi. Bah oui, hein. Taxi. Moi, je vais taxi. Viens, on va appeler le taxi. Taxi. Taxi, s'il vous plaît. Taxi. Nous rendons au Taco Bell avec mon caméraman. Jonathan la tomate. Oui, c'est moi, Jonathan la tomate. Monsieur. Oui. Ah oui, montez. Vous avez oublié mon caméraman. Mon caméraman, monsieur, vous avez oublié mon caméraman. Je suis désolé, vous êtes un danger public, je préfère descendre. Je suis désolé, vous me faites trop peur. C'est pas possible, c'est impossible. Je ne peux pas monter dans ce taxi. Venez, monsieur. Monsieur, j'en sais rien, emmenez-moi, moi et mon caméraman au Taco Bell, s'il vous plaît. Nous vous donnerons une petite pizza gratuite. Oui, venez. Quand je monte? Et le caméraman? Ah, peut-être caméraman, il peut pas monter avec sa caméra. Il est obligé d'y aller à pied, c'est pas grave, c'est pas loin, monte à pied. Monte sur la voiture. Je te vois derrière, caméraman. Ah, ça c'était une très belle course. Impeccable. Et si on vous demande qui est-ce que vous avez vu, vous répondez Bah j'en sais rien. Tout simplement. Le caméraman. Je vais vous donner une petite pizza gratuite, comme convenu. Et voilà, c'est Jolaté qui régale. De rien, c'est normal. Repassez quand vous voulez. Ici les pizzas sont gratuites à volonté. Juste pour les trois dernières minutes. Voilà. On va voir s'il y a eu un peu de... S'il n'y a pas eu de vol là-dedans, dans ma cuisine qui est pour moi d'ailleurs. J'ai pas moyen de la récupérer cette cuisine. Ah, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, forcément, si tu filmes la télé, ça fait des... Allez, suis-moi, caméraman. Par contre, ça va bien. Là, je suis en train de faire des distributions de pizza à volonté, mais quand même, hein. Où sont les bénéfices, là? Alors, c'est toujours Jolat la tomate, en compagnie de mon caméraman, Marie Pino. Salut à toi, Marie Pino. Nous l'avons pas très bien entendu, elle a un problème dans son oreillette. Bonjour tout le monde, c'est Jonathan la tomate et je suis de retour. Et aujourd'hui, je suis là pour vous apprendre comment faire les pâtes à la carbonara. Venez, monsieur le SDF, vous allez bien manger aujourd'hui. Venez, mes amis. Venez, monsieur l'agent de sécurité, venez aussi. Venez, Jonathan la tomate vous apprend à faire les pâtes à la carbonara. Alors tout d'abord, vous prenez des pâtes, vous prenez de la carbonara, c'est-à-dire de la crème fraîche Girardon, et surtout des œufs, le gruyère, et normalement ça fait les pâtes à la carbonara à la façon Giolette.
Distribution de pâtes gratuites à la carbonara. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur le maire. Mon caméraman. Monsieur le maire. La sortie de monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire. On est tous en train de parler en même temps. Je comprends que dalle, franchement. On comprend que dalle. Rébellion. On va prendre le maire en otage. Prenons le maire en otage. Prenons le maire en otage. Non. Ah, il y a le garde du corps du maire. On se barre, on se barre. Faites gaffe, il y a le garde du corps du maire. Rébellion. Rébellion, les amis, rébellion. Pizza gratuite pour tous ceux qui sont avec moi. Rébellion, mes amis, tuons le maire. Non, le maire est mort. Qui a tué le maire? Vive le maire. Vive le maire, vive le maire, vive le maire d'hiver. Et bonne année, monsieur le maire. Rébellion, les amis, tuons le garde du maire. Rébellion, les amis. Tuons le garde du maire. Rébellion, mes amis. Tuons le garde du maire. Le zone MLR là. Pourquoi tu reviens en voulant taper, y'a pas de mer là? Eh oui, tu gardes qui? Y'a pas de mer. Tu gardes qui et tu tapes qui avec ta machette? Hein? Alors? Hein? Alors? Réponds un peu. Donc, les gens ils ont décidé de faire une rébellion, ils peuvent dire, si tu reviens et tu retapes. Bonjour. Qui me dit bonjour? Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est Choula, Choula Tomate. Oui, oui mes amis, oui mes amis, oui mes amis. Aujourd'hui, Jolade vous apprend à faire les burgers gratuits. Burgers gratuits à volonté. Non, non, ça, bon, ça intéresse personne. Non, non, ça intéresse personne. Non, 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 non. Eh ben, allez tous vous faire foutre. Attends, bah mince là. Je propose des burgers gratuits. Non mais. Vous voulez vous battre, ça? Qui? Avec qui? Pardon, qui c'est qui dit ça? Comment ça, je veux me battre? Comment ça? Comment ça? Vite, filme ça! Filme ça! Une bagarre! Une bagarre! Une bagarre! Une bagarre! Une bagarre! Ah, je suis mort! Non! Caméraman? Oui. Oui. Monsieur, j'ai rien fait. Wow. Mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a tout vu, on est témoins. Nous sommes témoins. Caméraman, vite. Vite, il y a quelque chose, caméraman. On est témoins, vous êtes un policier corrompu. Commissaire corrompu. Commissaire corrompu. Caméraman, filmez-moi ça. Commissaire corrompu. Commissaire corrompu. Rébellion, mes amis. Tuons le commissaire, mes amis. Rébellion, mes amis. Vite. Mon caméraman, tout va bien? Oui. Ok, impeccable. Donc, c'était pour l'émission Jolade la Tomate. Et je rends l'antenne à tout le monde. Et ciao tout le monde. Bye. Sayonara. Non, ça c'est du japonais.